Donc, mission ne pas perdre Maudit. On joue notre vie là. On joue tout. Il faut absolument pas que Maudit meure. On y croit. On y croit. Bon, voilà. Mon avenir en dépend. Quand tu veux. Ah, fallait que je clique. C'est pour ça. Sapping all good life from these groves. Mais j'ai trop la classe. Let us burn out this evil. Vas-y. La bête n'a plus rien à offrir. Ok. Merci d'avoir tenté. Pourquoi j'ai déjà 20 de stress là? C'est quoi cette arnaque? Pourquoi on a déjà 20 de stress? Il n'y a personne, c'est parfait. On continue. Donc là, on utilise une pelle, c'est parti. Ça sonne bien Maudit meurt, je trouve, il y a une jolie allitération, nous dit Magnétique Panda. Strat de Segur a abandonné la quête. Crane, tu déconnes pas quand tu disais que fallait pas t'amener au casino. Là, t'es carrément en train de jouer ton couple. Oui, c'est quand vous mettez Crane dans le message que je vois les phrases plus facilement. Crane, le stress vient de Maudit, c'est donc ça. Crane qui stream encore trop bien, nous dit Talion Sama. Il y a les phobies, Crane, pense-y, c'est important. Ah oui, tiens, j'ai pas regardé. Peur des impies, donc Maudit a peur des impies, et Maudit est un esprit tourmenté. Par contre, elle a guérison rapide, et c'est une tacticienne des tanières. J'ai absolument pas pensé à regarder ça. Et alors que moi, j'ai une phobie des tanières. Elle, en tanière, elle me protège, en fait. C'est mignon, c'est mignon. Et par contre, j'ai dernier souffle, plus 1 vite PV à moins de 50%, et je défonce les horreurs. Haïsseur des horreurs. Et Cabal, qu'est-ce qu'il avait? Il a peur des horreurs. Ah bah c'est marrant, moi je déteste, je défonce les horreurs, lui, on est tous un petit peu, on se protège les uns les autres. Tacticien des tanières et pique assiette des tanières. En fait, vous avez une... Voilà, avec Cabal et Maudit, c'est la fête de la tanière. Par contre, Jean-Culé, il a une ligophobie. Donc, ligophobie, j'imagine qu'il a peur du noir, un truc comme ça. Plus 1% stress, il se torche à moins de 26. Ça doit être ça, je sais pas. Et il a peur des bêtes. Par contre, c'est un guerrier de la lumière. Voilà. Donc, il aime bien quand il y a... Voilà. Maudit, elle meurt en vrai. Achève-moi dans le jeu, ça changera pas grand-chose. Ah, t'es encore toute malade? Ah, je crois que j'ai compris, mais je suis pas sûr. Quand on écrit Crane au début du message, ça met en rouge. Au début ou pendant. Tu stresses à cause de Maudit, Crane, faut pas qu'elle morfle. Crane, tes personnages sont juste encore stressés de l'aventure précédente. Bah non, je viens de les recruter. Lui, je viens de le recruter. Lui, je l'ai jamais utilisé. Lui, il est sorti de je sais plus quoi. Et Maudit, je viens de la recruter. Crane, tu gères gros, t'aimes le tuning? Pas spécialement, Jackie Tuning. Je suis désolé, je n'y connais rien en tuning. La vitesse détermine l'ordre de passage des persos et des mobs. Crane, tu te souviens de la position de Lidan quand il est mort? Je dis ça, je dis rien. Il était en 4. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Il n'y a aucun rapport. Ouais, vas-y. Le sac a déjà été pillé, mais en fait, je suis allé dans un endroit où un joueur est déjà passé. Vas-y, Cabal, ouvre. Ah, GG, Cabal, c'est Jean-Culé qui est pas doué. Alors, attends, fais voir, c'est grand comment. Est-ce que je reprends une torche? Si je reprends une torche, il a un bonus. Non, on va pas le faire. Ah, il n'y a toujours rien. C'est fabuleux. Il est intéressant ce donjon. Ah, c'est gratuit. Et c'est moi qui me prends le piège. Oui, vas-y. J'ai pas. Ce perso n'a rien fait. Jamais. Il a rencontré personne. Il a absolument rien fait. Et il a 40 de stress. Pourquoi? Pourquoi? Tu es si stressé que ça? Vas-y, Cabal. Un vieil arbre. Oh, il y a des trésors. Plus 1% résistance au malus. Moins 2 esquive. C'est génial. Il va falloir utiliser des torches. Allez, deux. Tu as déjà été attiré par quoi? Par le côté obscur? Par une chèvre? Non, jamais, jamais spécialement, non. Après, je connais pas bien. Voilà, j'ai aucune chèvre proche de moi, donc je peux pas dire. Hein. Il y a peut-être des chèvres très sympathiques et en se rendant compte qu'on les connaît un peu plus tout de suite, il peut y avoir un petit déclic, quelque chose. Mais moi, c'est jamais arrivé parce que j'ai pas de chèvre dans mon entourage. Voilà. C'est leur premier donjon ou alors ils sont level 0. Je pense que ce sont les explications plausibles pour les 20 stress dès le début. D'accord. En même temps, Jean-Culé a peur dans le noir, c'est normal. Si Maudit meurt, tu la remplaces par une autre Twitcheuse et tu dors sur la veille pendant un mois, c'est ça.
On dirait une pièce, d'accord. C'est comme d'aventure, Crane, tu bouffes tout. Crane, tu devrais te mettre au tuning. Franchement, je possède une Ford Sierra violette. Avec spoiler, tout ça, elle pète sa mère. Bah, je suis très content de le savoir. Et Vladeus qui nous dit salutations, ami Crane, j'ai du bol, je rentre du boulot et tu stream encore. Bonne continuation. Merci Vladeus, c'est très gentil. Mais il n'y a pas abus avec le truc du rouge dès qu'on met ton nom, Crane. 5 newbies en mode so many questions. Hein? Ah non, c'est parce que t'as raté ta parenthèse. Non, bah non, juste je lis. Puis si c'est pas intéressant, c'est pas intéressant, c'est pas grave. Tu stresses parce qu'il y a Maudit, ok, pauvre Cabal, il prend cher. Crane, il a l'air d'avoir vécu l'homme d'armes. Oui, Crane, il faut occuper d'ailleurs. Il a. Alors, c'est pas le bon oeil. Faut équiper l'objet sur un des persos. Pourquoi faire? Moins 2 esquive. J'ai pas envie d'esquiver en moins. Crane, le stress de ta héros provient de la mission est de niveau 1 et les héros de niveau 0. Bah non, j'ai été dans un truc niveau 0 justement. Non, j'ai rêvé. Crane, tu perds du temps de torche en lisant les messages. Non, c'est en avançant qu'on perd de la torche. C'est Crane qui prend tout, c'est toujours ceux qui sont en première ligne qui prennent. Et là, c'est qui? Eh oui, Crane, c'est effrayant quand tu réponds aussi sérieusement à ce genre de questions. C'est fait exprès. Ah, ça y est, repérage. Ça y est, on va avoir un combat. Ça va être bien, vous allez voir, ça va être génial. Super, déjà, j'ai déjà plus de pelle. Voilà. Le donjon de la loose. Vas-y, Cabal, je crois en toi. Ah, il y a des trésors cachés, GG, Cabal. On continue. Il n'y en avait pas deux des trucs à faire. Non, je sais plus. On se reprend une petite torche. Allez, on se reprend une petite torche comme ça. J'enculé, il a un bonus. Ah, ça a l'air bien. Ah, ils sont surpris! Donc, par quoi on commence? Toi, tu peux faire quoi? Tu peux nous faire un double stun, ça a l'air bien. Soit un double stun, soit une double infection. Eux de mémoire, ils se dédoublent et c'est nul. Mais je sais plus comment ça marche. Attends, t'es le double stun. Voilà, étourdi, étourdi, c'est parfait. Ensuite, toi, tu peux faire quoi? Saignement, ça peut pas saigner ça. Ça c'est pas marqué. À distance, à tir de 2. Je pense qu'il faut que je les tue en premier pour pas que ça se dédouble, mais je suis plus sûr. Et toi tu fais quoi? Saignement, non mais c'est nul. Donc en gros on va faire ça et on va bourriner. Oh c'est beau! Oh j'enculé! Oh j'enculé, tu es fort! Ensuite, toi tu fais quoi? Un châtiment. Ah ouais, mais c'est sur la 2 ou la 3. C'était pas ce que je voulais faire, moi. Bon, bref, on va le faire quand même. Riposte. On est full vie. Donc, je peux nous faire tenter un petit stun qui résiste. C'est dommage. Étourdi. Étourdi. Bave. Esquive. Oh, c'est beau, Cabal. C'est beau. Ah bah, quand voilà, on commence. 19, non mais 19. T'as vu ça où quoi, 19? Ok, étourdissement, Osef. Groupe les ennemis, supprime les dépouilles. Est-ce que j'ai un truc sur le premier? Infection, je sais pas si ça marche. Ouais, j'enculais fort. Hein. Et genre, j'ai pas riposte et je viens de me faire taper? Que je le... Oh, on va le défoncer. Dommage. Alors, au niveau de la vie, ça va bien. On peut faire un petit jugement. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se retenter un petit stun. Ou alors... On peut détruire... Est-ce que ça marche comment, ça? Ah, ça a résisté. T'as riposte, mais il a esquivé. Ah, d'accord. Et bah, toi, tu peux absolument rien faire, donc tu vas aller là. Ensuite, toi, tu vas le défoncer. C'est tout ce que tu fais, c'est pas très très intéressant, dis donc. On va tenter un petit stun qui résiste. Ah, c'est la loose. C'est la loose. Ah, ça c'est bien ça. Non mais j'enculé, il envoie. Hein. J'ai 67 de stress, j'ai fait un combat. Attention.
Hop, il s'est passé un truc entre Jean-Culé et Cabal. Ok, très bien. On continue. Ah, parfait, ça a l'air bien. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu peux me faire ça, tu peux me faire ça, c'est pas très intéressant. Donc, on va faire. Je crois que c'est très intéressant, mais bon. Parfait. Ça, c'est bien, ça. Du coup, on peut faire ça, un petit jugement. On va continuer. C'est parfait. Deux de moins. Et là, de toute façon, il n'y a que ça que je peux faire. Sinon, le reste, c'est du bœuf. Oh, bon, c'est beau. C'est beau. Cette team de bourrin, c'est magnifique. C'est magnifique. En fait, Crane, t'es un gros stressé, c'est ça? C'est exactement ça. Crane, ton premier perso a l'air d'un héros de guerre qui revit ses pires cauchemars dans ce donjon. C'est peut-être pour ça que son stress monte si vite, peut-être. Bye, the useless murder. Allez, on continue. Ah, une petite torche. Vas-y, Cabal. Tu récupères une torche neuve, ça fait plaisir parce que. Tout va bien, tout va bien. Allez, on réutilise une torche. Qu'est-ce qui reste? Oh, c'est dommage. J'enculé aura pas de bonus. Ah, des loups! De mémoire, ils sont hyper relous, eux. Saignement, super, ils vont tous me filer du saignement, vous allez voir. Critique. Saignement. Et ils peuvent te refiler la rage ou je sais pas quoi, un truc bien relou de mémoire. Lequel qui a déjà joué et qui a pas joué? J'en sais rien, moi, j'ai déjà oublié. Alors, c'est quoi le plan? Châtiment, ça a l'air bien. Ça a l'air très très bien. Ah, jolie esquive, magnifique. Magnifique. Voilà, moins magnifique. Du saign... Ah, il a résisté au saignement, ça c'est cool. Du coup, je peux faire quoi? Étourdissement. Infection sur deux, ça a l'air bien. Est-ce que ça résiste à l'infection ou pas? Il n'y en a qu'un seul qui est infecté. Allez. Ah, c'était ça la riposte. Ah oui, c'est marrant. Crane, ce jeu est sans pitié. J'ai perdu deux de mes élites level 6 à la première salle du donjon des hommes cochons. Oui, ce jeu est sans pitié. Tu fais bien de le dire. Alors, ça fait combien? Ça fait entre 5 et 10. Entre 5 et 10. Entre 5 et 10. Donc, je peux être sûr de tuer celui-là. Ça veut dire qu'il a déjà joué, c'est ça? Donc, on va tenter celui-là. 6, c'est bon. Et du saignement de partout, quoi. Va mourir. Je fais entre 5 et 10. Allez, on va tenter. Parfait. Donc là, on peut faire soit ça, soit ça. Voilà, ça devrait l'achever. Là, on va se faire un petit heal de groupe. Parfait. A death by inches. Parfait. Crane, tu devrais voir quand je claque des rupteurs avec elle, le boucan que je fais au quartier, ils sont tous jeunes. Ah, tu parles de ta voiture. D'accord, très bien. Très très bien. Crane, les loups sont zombifiés. Oui, exact. Crane, ils ont une petite barre blanche à côté de celle des PV quand ils n'ont pas joué. Ah, c'est quand c'est la petite barre, c'est quand ils n'ont pas joué. Crane, ce jeu est sans pitié. Ça, j'ai déjà lu. Ok, très bien. Qui va ouvrir? Vas-y, Cabal, je te sens chaud. Ah, vas-y, ouvre-nous ça. Compartiment secret. Ah, on a récupéré une pelle. Et on récupère notre clé. C'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce qu'on a besoin... Qu'est-ce qui reste? Deux dégâts par tour pendant trois tours. Un dégât par tour. Un dégât... Hop, on va juste sur lui. Voilà. Et du coup, on va prendre un tout petit peu de bouffe. Ok, très bien. On continue. Crane, je t'aime fort. Bah, c'est gentil, Akinak. Merci beaucoup. Allez. Désamorcer les pièges. Les pièges repérés seront visibles au sol lorsque tu t'en approcheras. Sélectionne un héros, puis clique sur le piège pour essayer de le désamorcer. Donc là, il y a un piège. Jean Culet, il a envie de désamorcer le piège. Il le sent super bien.
Ah, oh, il est fort. Il est fort. Il est tellement fort. Voilà. J'enculé dans toute sa splendeur, quoi. Ok, c'est bon, on n'a plus de saignement. Le contenu du sac t'appartient. C'est magnifique. Tout va bien. Toute cette obscurité, t'inquiète pas. Voilà. Moi, je ne t'aime pas fort, je te surkiffe, nous dit Xaldedar. C'est gentil aussi. Salut, Pixel is life. Crane survole les mobs avec la souris pour avoir leur résistance au debuff. Blood poison. Stun, oui, il faudrait que je reprenne l'habitude. Crane, ta game est cool pour l'instant. Ouais, ça va, ça va, ça va. J'ai voulu mettre de la crème crève hydratante sur mon nez. Irrité, ça brûle tellement je pleure. De la crève hydratante. Ce lapsus de maudit. Alors, attends, comment on peut la jouer? Est-ce que je reprends un petit peu? Allez, ça parce que j'ai peur. Allez, vas-y. Pourquoi accuser? Non, mais arrêtez de me mettre du... Non. Non, mais non. Non. Monstre avec haute prot, protection. Certains monstres possèdent une forte prot, protection qui absorbe les dégâts d'attaque. Les DDT d'infection et de saignement ignorent la prot, protection et sont les moyens efficaces de démolir cet adversaire hautement résistant. Très bien. Non mais voilà. Ah non, c'est bon, c'était pas sur moi, c'était sur Jean-Culé. Très bien. Je pensais que tu voulais pas garder Jean-Culé, pourtant ça a l'air d'être l'un des plus efficaces, j'avoue. J'avoue. Non mais si je touche rien aussi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi? Le cran de Crane est testé. Craintif! Je suis craintif! Quelle stratégie erronée! Je suis... Voilà, voilà. Chance de toucher 83 et 75. Et j'ai raté sur les deux. Qu'est-ce que je fais? Je tente la prot. Le buff. Je fais jamais le buff. Ok. Tac, tac. Ouh, le crit. Rip Crane. C'est la tristesse. Est-ce qu'on a du saignement? La saignement 3 tours. La pas de saignement. Attire 2. Épargne-les, je ne peux pas supporter de perdre plus d'hommes. Ok, donc là, lui, il a c'est pas fait stun. 85, 75. Peut-être y arriver. Non, décidément, celui-là derrière, ça veut pas. J'ai plus envie de me battre. Et je dois désigner quel allié je protège. Protège l'allié, allez, on va protéger Maudit. Voilà. Mais il fait tellement flipper, lui. Crane démoralise l'équipe, c'est ça. Alors, chance de stun. Et tu as dit 65%. Ah, il a 10%, j'avais pas vu. J'avais pas vu. C'est la loose. Ah, mais résiste. Bah oui. Zéro de dégâts, résiste. Vas-y.
Tout devient comme je le craignais. Il fait des jeux de mots. Tout devient comme je le craignais. Ah, Jean Culet devient injurieux. Jean Culet devient injurieux. C'est magnifique, tout se passe tellement bien. Tout se passe tellement bien. Ah, par contre, il est pas content. Il est pas content. Pff, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un enfant pourrait mieux faire. Eh bah, si tu veux que je te dise ce que je pense, j'enculé, hein? Résiste, Crane, prouve que tu existes, exactement. Ah, c'est 10% de résistance. Non, c'est 10% que ça passe. Ah oui, non, non, c'est, j'ai pas eu de bol. En vrai, j'ai pas eu de bol du tout. D'accord. Donc là, on a... Il peut saigner, lui, je pense. Saignement 10%. D'accord, ok, c'est génial. C'est génial, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Meilleur jeu du monde. Ah, crise cardiaque. Le stress continue d'augmenter au-delà du point d'affliction. Si la barre de stress d'un héros se remplit complètement une deuxième fois, son corps cédera, apporte-lui de l'aide ou replie-toi en ville avant que ça n'arrive. La mort nous attend tous. Je sais plus quoi faire. Hein. C'est la tristesse un peu. À 23h, je m'éclate sur ce jeu. À minuit 55, je veux partir. Je veux ma maman. Je veux ma maman. Oh oui, esquive. Non, mais vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi en vrai? Hein? Oh bah oui, résiste. Vas-y, vas-y, résiste. Bah oui. Tiens, Ali. Ken, c'est le premier donjon que tu fais, je viens d'arriver. Bah oui, c'est le début. Crane, une petite pensée pour les personnes qui ont des noms de merde comme Jean-Culé, exactement. Crane, empoisonne-le. Oui, tu veux dire le truc où il résiste à chaque fois, là? Ramène une autre salière. Bonsoir, Crane. Ouais, les stresseurs, souvent en 3e et 4e position, sont ceux à focus en prio. Courage, ce jeu est très sévère avec... Non, mais j'ai une autre partie, hein, où je suis en semaine 104, où j'ai plein de persos level 6, tout ça. Mais là je voulais refaire une nouvelle partie, mais le jeu, il est pas content. Le jeu, il est pas content, il me dit non. Donc lui, logiquement, 4, il devrait mourir. Donc on va plutôt... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lui, je peux pas. Ça fait quoi? Le 21 versus étourdi, il est pas étourdi. Bon, bon, il n'y a rien à faire. Que je fasse. Ghoulish horrors, brought low and driven into the mud. Une pelle. Trop content. Je me fiche de savoir comment, mais peut-être que ceci peut me sauver. D'accord. Ça a l'air très très bien. Crane, t'essayais d'empoisonner des monstres qui ont la tête de champignons vénéneux. Oui, mais le jeu, il vient de me dire que justement, ils étaient résistants et qu'il fallait les empoisonner. Si Mandy s'en sort, c'est le principal, c'est ça. Rentre en ville. Non, on a bientôt fini. On a bientôt fini. On a peur de rien. On est trop des malades. Vas-y, Cabal. Le sac contient du butin, en plus, vous avez vu. C'est parfait. Pas assez de place dans l'inventaire. Ah. Ça fait quoi? Ça, le poison, on s'en fout. Mash click. Ah là, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on peut? 500 d'or, non, ça vaut de la thune, ça. Plus 10%, moins vitesse. Tiens, mets des points de vie. Mets des points de vie, tu seras heureux. Voilà, c'est parfait.
Ah oui, 3. Heureusement qu'on a trouvé des pelles, hein, parce que dans une mission courte, 3 pelles à utiliser, c'est pas semblant. Ah, puis on a plus de... Ah, bah c'est parfait. C'est parfait. Allez, on y croit. On a juste... Oh non, il y a un combat. On a 2 combats à faire, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais on a peur de rien. On a peur de rien, on est des malades. On est complètement des dingues. Allez, vas-y. On y croit, on commence, ça c'est la classe. Vas-y, one shot, et bim. Et bim, et bim le one shot, on continue, vas-y, vas-y, one shot aussi. Ça fait quoi ça? Non, ça fait pas de dégâts. Ça étourdit. Ah, par contre, ça étourdit, ça met du... qu'est-ce que t'as comme résistance? Infection 40%, c'est trop. Étourdissement, résistance 100%. Ok, c'est pourri. C'est pourri. Avec un peu de chance. Allez, 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 on y croit, on y croit, on y croit. Oh, infection, c'est passé. C'est passé. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait combien de dégâts? Ça fait entre 4 et 8. Il a 6 points de vie. 4, 5. On va... Voilà, on l'a joué safe. Vas-y. Vas-y. Non, ça marchera pas. Entre 4 et 8. Vas-y, maudit. Vas-y, maudit. Maudit, on te regarde. Là, il faut juste... Tu peux faire entre 4 et 8 de dégâts, maudit. Maudit, il faut que tu fasses 6. On ne te demande pas de faire un 7 ou un 8. On te demande un chiffre à peu près moyen, maudit. Tu peux le faire. Tu peux le faire. J'ai totalement confiance en toi. J'ai totalement confiance en toi, maudit. 5 de dégâts, maudit. Non, maudit. Ça va pas. Ça va pas du tout. Du coup, voilà, je me fais défoncer derrière. Est-ce que t'es fier de toi? Est-ce que t'es fier de toi, maudit? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, maudit. On était bon, là. On était bon, on faisait imperfect. Et il a fallu que tu fasses 5 de dégâts. Il fallait 6. Il manquait juste un point. Voilà, moi je pensais qu'on était une équipe. Voilà. C'était pas moi, elle est trop grande pour que ce soit moi. Ça c'est facile ça. Rejeter la faute sur les autres. Oh là, 8 de bouffe. Oh ça c'est bon ça. Ah il est plein. Ça, c'était bien, ça. Par contre, on a plus rien. C'est la loose. Est-ce qu'il y a des trucs à utiliser? Non. Attention où tu mets les pieds. Dernier combat. Dernier combat. Incantation stressante. Ah là là. Maudit qui stresse. Épargne-les. Je ne peux pas supporter de perdre plus d'hommes. Ah là là. Le crâne maudit est testé. Attention. Maudit est concentré. Oh mon dieu. Oh là là. Oh là là. Maudit qui nous fait... Qui nous fait un retournement de situation. GG maudit. GG vertueux parfois. Maudit vertueuse. Parfois les héros réagissent à une attaque de stress en devenant héroïques. Cet état de performance élevé durera jusqu'à ce qu'ils campent ou reviennent en ville et accordent des bonus de stats et autres avantages. GG maudit. GG à toi. Allez, combien le stun? 25%, on y croit. Tu aurais pu les tuer si tu avais eu un minimum de talent, dit Jean-Culé à Cabal. Voilà. Ok, next. On heal ou on va tenter le stun? Lui, il a pas joué. Allez, on le tente. Oh mais non, il y a 25% de chance de résister. Il ment hein, sur les pourcentages dans ce jeu. Hein. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé, il ment. Non, mais non! Mais non, pas le critique! Et le saignement par-dessus, mais oui, vas-y! Vas-y, continue! Continue! Mets du sel sur ma blessure, je te dirai rien! On va mettre le saignement. Ah bah oui, le saignement qui passe pas! Bien évidemment! Sinon, ça aurait été trop beau! Allez, on va protéger Maudit. Il ne restera plus de sang pour les sangsues. Intéressant. Intéressant. Vas-y. Ah, voilà, esquive. T'es juste très malchanceux au pourcentage de réussite, Crane. Oui, apparemment. Vas-y, grenade à peste, ça a l'air génial. Vas-y, vas-y, allez, 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 allez. Ah, double infection. Hein? Ça t'apprendra. Ça t'apprendra. On va peut-être falloir heal un peu, là.
que Jean Culet, il est sur une mauvaise pente. Le jeu veut buter Crane, il en a marre. Ah là là, Jean Culet. Ah non, c'est bon, il est encore là. Du coup, comment on va la jouer? Est-ce que plus de vitesse? Ah, et bim! Et bim! Donc on a ça, étourdissement 100%, 65%, mais j'aimerais bien lui faire un petit peu de dégâts, mais malheureusement je ne peux pas. Ça fait pas de dégâts, la seule chose qui fait du dégât c'est ça. Tant pis. Sacrifice aux dieux anciens. Voilà la fin. La fin de Jean Culet. Hold fast or expire. On va résister. On peut y arriver. Oulala, Jean Culet, il est bientôt à 200. Ou masochiste, cabale et masochiste. Cabale, masochiste. Oui, c'est vrai, j'avais les bandages, mais c'est plus marrant comme ça. Non, c'est vrai, j'aurais dû les utiliser. Oulala, il fait tout noir. Non, Jean Culet nous a quittés. C'est un peu tard, mais bon. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai plus la protec. Si j'ai plus la protec, j'ai encore la protec. Normalement, ça devrait le tuer avec le truc derrière. Comment? 4. Est-ce que ça fait 4? On va dire que ça fait 4 et que lui, je vais le stun. Et là, on est bon. Allez, stun passe. Yes, étourdi. Normalement, on est bon. On est bon. Normalement, ça les tue. Et bim! Attention, et rebim! Allez, Maudit, c'est toi qui finis. Et voilà, GG Maudit. Mais bon, on a perdu Jean Culet. Y'a pas de place. Mais ça, on s'en fout, ça vaut rien. Non mais, attends, marge, clic, voilà, très bien. Plus 20% résiste au malus, tu vois, très très bien comme ça, voilà. Et c'est le GG. Tu as perdu ton Jean Culet, et oui. J'ai une petite pensée pour les voisins de Crane qui viennent de l'entendre. Non, Jean Culet nous a quittés, et puis plus tard, et bim et rebim, c'est ça. Crane, le jeu est pas copain avec toi, vas-y, lance The Banner Saga. Crane, tu l'as cherché, fallait pas faire des jeux de mots aussi pourris. Oh là là, c'est la victoire, hein, tous les gens qui disaient pars. Eh ben non, on a gagné. Il est pas là, Cabal. Bah oui, malheureusement. Suivant. Ah, alors, qu'est-ce que j'ai? Allez, vas-y, un truc positif. Réflexe lent. Je suis un peu lent comme garçon, hein, je suis désolé. Tueur de bête. Ah, Hagen qui est opérationnel. Maudit qui est au bord du décès, c'est parfait. Allons claquer de la thune pour des persos alors qu'on devrait les jeter. Toi, tu pourrais potentiellement aller là. Toi, Maudit, tu peux aller là, c'est parfait. Allez, Maudit ici. Donc moi, ici, c'est parfait. Cabal, il est mal. Cabal à 1250, c'est parfait. Ok, donc les trois là et Aube, faudrait quand même lui permettre de terminer. Alors c'est les deux à 1500. Par contre, on a potentiellement, si on a un tank, on a un heal. Ouais, on a tout ce qu'il faut pour la suite. Donc on va finir de healer Aube. Voilà. Tueur de bête pour un végétarien, c'est un peu le comble. Bah bravo Crane, dire Maudit est au bord du décès, c'est parfait. Ok. Donc... ils sont tous en train d'être soignés. 1, 2, 3, 4, c'est parfait. On a des nouvelles personnes ici. Postulant à balétrière, c'est nouveau ça. Pillarde. Et un autre homme d'armes. On est à 8 sur 9. On peut potentiellement augmenter la limite. 8 sur 12. Donc on va pouvoir recruter tout le monde, ce qui est plutôt cool. Et voir derrière
ce qu'on va en faire. Donc pour si on veut se préparer, de toute façon on va continuer avec Hagen en première position. Je t'en supplie, non. D'accord, d'accord. Merci Hagen, merci de ton soutien. Je lui mets dans la liste, il me dit je t'en supplie, non. Intéressant, intéressant. Nous avons, il va nous falloir un healer. Donc il y a celui-là ou il y a celui-là. On va prendre celui-là, il n'aura pas de soin qu'on va mettre potentiellement en 4. Il peut tout faire en 4, non ça il peut pas. Il lui manque en fait bon, le soin de groupe, donc Osef, très bien. Il nous faut, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va mettre un comme ça, donc position 3 ça passe, position 3 ça passe aussi. Tu as mis des items sur certains persos, tu peux les enlever pour les mettre sur ceux qui vont en donjon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il faudrait que je le fasse. Tu as totalement raison. D'ailleurs, on a plein d'items là. Plus 1% crit, c'est mignon. De la résistance, tout ça, non. Plus 20, ouais, plus 1% proba à la capacité de déplacement. Qu'est-ce que c'est que ça? Plus 8 près, moins précision, c'est pas mal. Plus 20% résistance à l'infection, moins de esquive. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont? Non, 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 non. Il y a lui. Qu'est-ce qui fait plus 10%? Ok, on peut le mettre là. Comment tu veux? Ok, c'est bon. Non, 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 non. Et lui, il est déjà équipé, plus 15%. Ok. On a ça, plus 10% vitalité. La roue pour une équipe, tous les persos, même au bar. Alors, c'est où cette roue? La roue, qu'est-ce que tu racontes? La roue de quoi? Ah, cette roue-là? Oh, intéressant. Intéressant, merci. Mais bon, il n'empêche que je pense qu'on va mettre ça, qui est pas mal. Oui, la roue sur l'inventaire, ici. Ça te permet de retirer toutes les breloques. Soins militaires aux F. Soins 1-1. Soins du stress, torche plus 1. Avancée de 1. Recrute quelqu'un comme Shin. Et oui, bah on a une arbalétrière ici. Arbalétrière, on va l'appeler Shin. Ça sera très très bien. Donc nous avons Shin avec nous, qui est Sitiomanie, obsession pour la nourriture. Voilà, qui n'arrête pas de bouffer des pommes toute la journée. Et Egomanie, obsession pour l'auto-vénération. Parfait. Proba de faire d'un manqué un toucher. Moins 20% de stress dans le cirque. Dans la crique, pas le cirque. De faire d'un manqué un toucher. Ok. Bon, je vais y aller. Bonne nuit, Crane. Le chat, sinon, jeu très sympa. Crane, tu m'as donné envie. Peut-être qu'on en refera. Hein, si ça vous plaît, on en refera. Donc, au niveau des compétences, qu'est-ce qu'on a? Donc, elle peut tout faire en 3 ou en 4. Donc, on va la mettre en 3e position. Ah oui, mais non, c'est embêtant. 3 ou 2. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant, il y a conflit. Ou alors, on le met lui en 2. Non, il peut tout faire en 3, en fait. Donc on a toujours un problème, 2 il peut, 2 il peut, 2 il peut, et ça il peut pas, ce qui est dommage c'est la balade guerrière. Oh, on s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre en 2? Ça il peut pas, et ça il pourrait, mais ça avance de 1, donc c'est pourri. Ça, ça fait rien, ça à distance avancée de 3, non et ça c'est pourri. En fait il peut faire que ça d'intéressant. Et ça fait en deuxième et troisième position, et que ça en deuxième et troisième position. Donc il sert souvent à rien, donc c'est un peu pourri. C'est un petit peu pourri. On n'a personne à mettre en deuxième position. Ou alors, on part avec lui. On part avec deux tanks, ça peut être intéressant aussi. Il a soutenir, il lui manque deux skills. Par contre, il lui manque ça, et il lui manque ça. Ah ah! Mais du coup, il peut utiliser ça, ils peuvent se tirer la bourre tous les deux. Pourquoi pas? Crane, je viens de te suivre, mais je n'ai pas eu le glouglou déçu. Bah oui, le glouglou, c'est pour les personnes qui s'abonnent, Calvin Cleave. Le bouffon, c'est intéressant pour enlever le stress. Oui, mais il est dans une position qui m'embête, parce que j'ai rien à mettre en deuxième position, là. J'ai rien du tout à mettre en deuxième position. Shin, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas.
T'as rien du tout en deuxième. C'est soit 3, soit 4 pour toi. Ça, on est d'accord. Donc, limite, j'aimerais bien jouer avec celui-là en 3 parce que je le connais pas. Et mon problème, c'est trouver un truc à mettre en 2. Donc, ça, ça se fait en 2. Ça se fait pas en 2. Ça se fait en 2. Est-ce que ça bouge? Non, c'est bien. Ça se fait en 2. Recul de 1. Par contre, ça, c'est pourri. Ça se fait en 2 à distance. Donc, on peut prendre ça. Ça se fait pas en 2. Et ça se fait en 2. Donc, il y a potentiellement de quoi faire un personnage en 2. Donc, on va faire ça. On va voir lequel en a le plus. Ils ont exactement les mêmes skills qui est. Celui-là est plus intéressant. Il a un skill de plus en 2. Donc, on va l'appeler. Donc, Shin est obsédé par les pommes et s'auto-vénère avec ses flèches anti-scénarium. Fort intéressant. Exactement. On va l'appeler comment? On va l'appeler Kalitz. Allez, hop. Voilà. Et espérons qu'il ne survive pas au scénario. Voilà. Très bien. Très, très bien. Donc, Kalitz ici. On retourne en ville. Et on va voir si on peut prendre. Si on peut prendre des compétences qui se mettent en 2. Donc il y a ça qu'il faut prendre. Ça, Osef. Ça, on l'a, ça fait 2, 3 et 4. C'est bon. On a toutes les. Ah oui, non, il y avait ça, mais ça, on s'en fout. Ensuite, on avait Shin. Shin, fais-moi rêver, Shin. Qu'est-ce que tu as comme compétence? Donc, tu as ça à distance, soit... Alors, il faudrait des marques, par contre. À distance, moins 5 pré, moins 5 crit, d'accord. À distance, pré-base, marque et cible. Il faudrait ça. Moins 20 esquive en plus, c'est intéressant. À distance, pré-base, 81, ok, donc ça qui peut frapper devant, ça qui va avec ça, qui va avec ça, et donc on a potentiellement cible aléatoire à distance, soit plus 5 vitesse, qui fait quand même du dégât, c'est une cible aléatoire, ça c'est pas dégueu, et soin de 3.20% soin ok, retirer étourdissement, retirer marquage, non on va faire ça, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça, on va faire se préparer, on va donc choisir les bonnes cibles, où qu'il est, où qu'il est, où qu'il est. Ah, again, j'ai pas vu ses skills. Par contre, faudrait peut-être que je modifie les skills d'again. Shin, on va te virer ça pour te prendre ça. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on avait Kalitz. Kalitz, t'es où? T'es là. On va te virer ça pour te prendre ça. En 4, on a qui? On dit qu'on laissait comme ça, c'était très bien parce que c'est pas installé. Il y a juste Hagen. Donc il va rester en première position. On lui laisse la torche 25 proc, marqué cible. Non, mais je crois à chaque fois que je me marque moi, hein, alors qu'il pourrait marquer quelqu'un d'autre. Je crois que j'ai pas très bien compris. Hein. Je crois que je fais. Ah, mais non, si, c'est obligatoirement. Non, on peut pas sélectionner un ennemi. Tu marques obligatoirement une des deux personnes. Ah, mais je marque. Je marque la personne que je protège, peut-être. J'ai pas tout compris, en fait. Le coup assommant, c'est bien. Ça, c'est un peu useless. Le truc que j'aurais bien aimé, c'est là, l'enceinte qui me permet de me repositionner et de faire des dégâts si besoin. Quoique, critéralisement aux F. Bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. C'est parti. On a une pelle, un bandage, on rachète, voilà, deux bandages, très bien, ok on est bon, c'est parti, par contre est-ce que j'ai choisi le bon truc, oui c'est bon, ah ça m'a tout viré, ah génial. Ok, c'est parti.